Maman, est-ce qu'on ne peut pas changer de chaîne? Parce que moi, j'ai un match de football. Mais pour une fois, laisse-moi suivre mon feuilleton. Quel feuilleton que tu as déjà vu hier? C'était un autre épisode. Quel autre épisode? Ça, c'est la force que je veux faire. Oh là, Bettina, tu es très belle. Merci, papa. Tu vas où? Oh, maman, toi aussi, quelle question? Tu as demandé à une femme mariée où est-ce qu'elle va rechercher sa grossesse? Tu rentres ce soir. Je t'appellerai plus tard, maman. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, ma fille. Pas de masquer le numéro. T'en fais pas, mon pote. Alors, il décroche? Décroche pas, peut-être qu'il est occupé. Insiste, il finira pas à décrocher. Attends, ça y est, j'entends du bruit. Peut-être qu'il va décrocher. N'oublie pas tout ce que tu lui diras. T'inquiète. Allô? Bonsoir, patron. C'est Koundé. Oui, je suis arrivé à Ouaga là. La ville est très belle, hein, patron, je vous assure. J'ai pris un petit hôtel là et ça va. Oh, patron. Mais il fait très chaud, hein, patron. Oh, vraiment, le soleil, c'est 60 degrés. Hein. Ah, ce soleil là, ça peut cuire un œuf en 2 minutes. Hein. Oui. Oui. Ah oui, nos partenaires là, non, je les ai téléphonés et ils ont dit que on se rencontre demain. Ouais. Il n'y a pas de problème, patron. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bien joué, mon cher. Maintenant, on passe à la seconde étape. On y va. Allez. Ma chérie, viens par ici pour que je puisse te contempler. Ma princesse. Je croyais qu'on allait dans un restaurant. Non, j'ai une surprise pour toi. D'accord? Alors. Alors, à nous, et surtout à ce nouvel horizon qui s'offre à nous. Tchim tchim. À nous. Thank you.
Allô? Oui, allô? Ah, Koundé, c'est toi? C'est bien moi. Je suis arrivé à Ouaga et j'essaie de prendre mes Macs. Ça va, tu vas bien? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison ou à l'atelier? Je suis à l'atelier. Ah, ok. Justement, il y a un client qui vient d'arriver, je dois m'occuper de lui. Tu me rappelles demain? Alors, à demain. À demain. Il t'emmerde ou quoi? Non, il est déjà à Ouaga, là où tu as bien voulu l'envoyer. Mais s'il tenait à toi, il ferait ce que je suis en train de te faire en ce moment-là. Hein? Mettre le monde à tes pieds. Mais ne parlons pas des absents. D'accord? Nous avons de longs moments devant nous. Tu as raison. Bon appétit à toi, ma chérie. Bon appétit. Merci. Tu vois, elle n'a même pas peur de mentir. J'ai envie de débarquer là-bas et de la gifler, quoi. Tu veux te gâter ou quoi? Non, mais j'enrage, quoi. J'enrage. Tu comprends ça? Ça ne sert à rien de t'enrager. Oh. J'ai trop bien mangé. Maintenant, je n'ai plus qu'une envie. Dormir. Ma chérie, mais tes désirs ne sont que des ordres chez moi. Ok, je vais rentrer alors. Rentrer? La soirée ne fait que commencer. Oh, ma chérie, viens, viens. Lève-toi, je vais te bercer. Je vais te bercer. Je vais te bercer. Oh, attention! Oh, fais pas ça! Fais pas ça! Calme maintenant. On peut y aller. Dieu seul sait pourquoi elle ne sort pas. Tu es sûr? Bien sûr. Ok, on y va alors. Mais c'est quoi? Oh, ok, je viens.
Kondé? Qu'est-ce que je fais ici? Calme-toi, ma chérie. Tu es en de bonnes mains. Où suis-je? Dans quelle ville? Dans quel pays suis-je? Tu es encore à Cotonou. Je n'ai pas bougé d'un seul pied. Et lui, c'est qui? Paul, un ami. C'est lui qui m'a enlevé. Vous avez mis cette cochonnerie sur mon nez. C'est vrai que nous t'avons enlevé. Mais c'est moi qui ai pris cette décision. Et toi, tu n'es pas censé être à Ouaga? Je t'expliquerai tout après. Pour le moment, prends ton petit déjeuner. Allez, vas-y. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ma fille Bettina, là, elle t'a été confiée, non? Oui. Bien. Tu as juré de veiller sur elle jour et nuit, c'est ça? Exact. Alors, explique-moi comment tu t'es débrouillé pour que des individus viennent la kidnapper chez toi. Oui, maman. Papa, ne vous inquiétez pas. Ma femme, Bettina, on va la retrouver. Tu as intérêt. J'ai déjà lancé les recherches. Vous croyez, moi, elle a dit, elle ne peut pas se perdre. Je veux retrouver ma fille. Papa, je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Merci. Maman, du courage. Tu vois, non? J'ai vu quoi? Je t'avais dit quoi? Tu as dit quoi? Que ta fille Bettina là était spéciale. Débrouillez-vous pour me trouver ma fille, sinon ça va barder ici. Tu n'as pas fini de nous créer des problèmes. C'est moi qui te le dis. Tu vas me prendre pour un fou. Fou pour avoir agi de la sorte. Oui, je le suis. Je suis fou de toi, Bettina. Mais je ne vais jamais tolérer à un homme comme celui-là de te voler à moi. Fallait te décider plus tôt. Quand Aladji t'a proposé de partir, tu aurais pu refuser, non? Regarde-moi, Bettina. Regarde-moi dans les yeux. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Si tu ne veux plus de moi, dis-le-moi. Je te ficherai la paix. Je te laisserai partir sur le champ. Je dois voir ma mère. Tu n'as pas répondu à ma question. Je n'ai pas de réponse à te donner. Tu as beaucoup changé, Bettina. Tu as vraiment changé. Oh, écoute, ma mère est de santé fragile. Elle doit s'inquiéter maintenant. Alors, que veux-tu dire à ta mère? Il s'est trompé de maison, oui, mais qui s'est trompé de maison? Hé, toi tu vas où? C'est pas à toi que je parle, non.
passer. Maman. Ça ne va pas se passer ainsi, hein. Hein? Toi, je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu lui as donné quoi, monsieur le Tout-Puissant? Tu lui as donné quoi? Toi ici? Bien sûr que oui, comme tu le constates. Je ne suis pas parti. Voici tes frais de mission et tes documents. Je n'en ai rien à foutre, moi. Koundé. Koundé, s'il te plaît. Tu vois, cette fille n'est pas à toi. Elle n'est pas ta pointure. Quoi? Arrêtez. Ah oui? Arrêtez, s'il vous plaît. Quoi? Quoi? C'est quoi? Maman. Triste comme histoire. Donne-moi ça. Tout doucement, mon petit. Tu as tout le temps pour apprendre. Ici commence une nouvelle vie pour toi. Koundé. C'est l'heure de ton jugement.